paraissait l'heure, il n'y aurait pas de voleur, car c'est le receleur qui crée le voleur. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans Mon droit et mon devoir, présenté par Christian Mwamba. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un thème important, intitulé comme suit, le recel en droit congolais. Nous sommes à l'article 101 du Code pénal congolais. C'est cet article qui prévoit l'infraction du recel. Mais avant tout, définissons cette infraction. Qu'est-ce que l'on peut comprendre par le recel? Le recel, c'est le fait d'accepter, de recevoir, de garder, de retenir, de posséder. Retenez ces mots consciemment et à quelque titre que ce soit, une chose mobilière dont l'origine est délictueuse. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'infraction du recel, ce n'est pas une infraction autonome. C'est une infraction qui provient d'autres infractions. Notamment, l'infraction du recel peut provenir de l'abus de confiance. L'infraction du recel peut provenir du vol. L'infraction du recel peut provenir également de l'escroquerie. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut provenir aussi du détournement des objets saisis. Telle est l'infraction du recel. Alors, celui qui commet le recel, on l'appelle receleur. Le receleur, c'est la personne qui commet l'infraction du recel. Le recel, c'est un danger social. Pourquoi c'est un danger social? Ou même le receleur en question constitue un danger social. Qu'est-ce qui se passe? Voici donc les raisons qui font à ce qu'un receleur puisse constituer un danger social. La première raison est la suivante. Lorsque l'on arrête, par exemple, le voleur, pour établir sa culpabilité, le magistrat qui l'arrête a besoin de l'objet qui a fait à ce que l'on puisse parler du vol, j'allais dire de la chose volée. Maintenant, le receleur dissimule la chose volée et rend la culpabilité que le magistrat veut établir dans le chef du voleur difficile. C'est à cause du receleur. Et vous devez également retenir que il y a aussi de ce receleur qui pousse les voleurs à voler. C'est-à-dire, c'est le receleur qui lui dit « Trouve-moi un téléphone iPhone. Trouve-moi un laptop. Trouve-moi un véhicule. » Tout en sachant que le monsieur à qui il demande ce service n'est même pas quelqu'un qui travaille dans ses services, mais c'est un voleur, c'est un escroc. Et vous devez également retenir que le receleur reçoit des choses volées à un prix bas, mais ça lui profite parce que lui aussi va le revendre. C'est ça le problème avec le receleur. Comme je vous ai dit, que le receleur ou le recel
dépend d'une autre infraction, c'est que ça dépend même, comme je l'ai dit d'ailleurs, de l'infraction de l'escroquerie. C'est que l'escroc, toute personne qui pratique l'escroquerie, de manière même professionnelle, on escroque pour revendre après. Et même tout voleur professionnel vole pour revendre. Eh bien, les personnes que l'on arrête, à qui l'on reproche de l'infraction du recel, peuvent me poser la question. Mais moi, on m'a vendu la chose. Et puis, on vient m'arrêter en disant que je suis un receleur. Quand est-ce qu'on peut constater l'infraction du recel? Mesdames et messieurs et très chers téléspectateurs, la condition obligatoire est la suivante. Il faut qu'il y ait l'origine délictueuse de la chose. C'est-à-dire, si vous me dites que je suis un receleur parce que j'ai acheté le téléphone entre les mains d'une personne, donc en réalité, je devrais préalablement connaître que la chose que je viens d'acheter a été volée, extorquée ou escroquée. Si je ne connaissais pas cela, l'on ne peut pas retenir à ma charge l'infraction du recel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un élément intentionnel. Ça ne veut pas aussi dire que la personne à qui l'on reproche l'infraction du recel va simplement dire « Je ne connaissais pas l'origine, je ne savais pas que le bien que j'ai obtenu ou que j'ai acheté, ça a une origine délictueuse. » Attention, l'on risque de vous poser la question « Pourquoi vous n'êtes pas allé acheter ce bien dans un magasin? Où est la facture en question? Vous avez acheté le bien entre les mains des marchands ambulants. Vous avez acheté le bien dans un marché Pilate. Et vous vous dites que vous n'êtes pas receleur. Faites attention. L'on risque de dire que vous aviez connu l'origine délictueuse du bien que vous avez acheté. La deuxième condition, très chers téléspectateurs, est que le bien en question doit être une chose mobilière que l'on peut déplacer, que l'on peut enlever. Pas d'infraction de recel dans des choses immobilière. Il n'y a pas d'infraction de recel dans des choses immobilières. Comment est-ce que ça se passe? On ne peut pas dire « Telle personne a vendu ma parcelle et je pars l'accuser en justice pour recel. » Non, là il s'agit d'une autre infraction que nous allons vous expliquer dans un autre numéro un peu plus tard. Mais seulement dans les recettes, il faut que la chose soit mobilière. On est capable de l'enlever. On est capable de la déplacer. Et là, on dira qu'il y a infraction de recel. Ça peut être de l'argent. Ça peut être un véhicule. Et là, il y a infraction de recel. Retenez également que le recel peut provenir directement de l'infraction initiale. N'oubliez pas, très chers téléspectateurs, qu'au début, je vous ai dit que le recel n'est pas une infraction autonome. C'est une infraction qui dépend d'une autre infraction. C'est qu'il faut qu'il y ait une infraction initiale. Et c'est cette infraction initiale-là à laquelle dépend le recel. Et s'il n'y a pas cette infraction initiale, c'est compliqué.
Mais retenez également que le recel, en dépit de dépendre d'une infraction initiale, le recel peut aussi dépendre non pas d'une infraction initiale, mais d'une chose subrogée à l'infraction initiale. J'attends quelqu'un dire comment, ou mieux, expliquez-nous. Votre mari travaille à la fonction publique. Il détourne une somme d'argent. S'il prend cette somme d'argent, il vous remet. Et que consciemment, vous connaissez que cet argent provient du détournement. Ça, c'est clair. L'on va vous reprocher l'infraction du recel. Vous connaissez consciemment que cet argent provient du détournement. Mais vous vous achetez une voiture avec cet argent. Attention, l'on va aussi vous reprocher l'infraction du recel. La preuve, c'est cette voiture. Mais comment est-ce que vous avez obtenu la voiture? La voiture, vous l'avez obtenue à partir du produit du recel. Le produit ici, c'est de l'argent. Donc, le recel peut provenir de la chose subrogée, du produit de la chose subrogée, pas directement dès l'infraction initiale. C'est très capital et c'est très important pour maîtriser ces choses. Alors, que faire à toute personne qui a tendance à acheter les choses de main en main? Dans des marchés Pilates, vous achetez le chevet de femme, communément appelé le plante, de main en main, sans facture. Vous n'allez pas dans des magasins. Vous les achetez comme ça. Vous achetez des bijoux en or ou en argent, entre les mains de personnes, sans facture. Attention. L'on risque de retenir à votre charge l'infraction de recel. Pourquoi? L'on peut vous poser la question de savoir pourquoi vous n'êtes pas parti acheter ces choses dans un magasin. Pourquoi vous avez préféré acheter ces choses entre les mains des voleurs, par exemple? Faites très attention. Contrôlez les personnes qui vous vendent même le téléphone. Vous risquez de perdre les tout. Vous perdrez votre argent, vous perdrez aussi votre téléphone. Aux receleurs professionnels qui demandent de service aux voleurs, allez me trouver tel objet contre une somme d'argent. Si l'État met la main sur vous, vous serez sévèrement puni. Alors, vous êtes victime d'un vol, mais vous retrouvez le receleur, c'est-à-dire la personne dont vous retrouvez, c'est quelqu'un qui porte vos bijoux qu'une autre personne avait volé. Qu'est-ce que vous allez faire, très chers téléspectateurs? Appelez la police. Appelez vite la police. La police va mettre la main sur cette personne. Car vous, en tant que propriétaire de vos histoires volées, vous avez les droits de suite. Vous devez suivre les personnes qui ont volé ce que vous recherchez. Et la police va mettre la main. Comment est-ce que maintenant on punit l'infraction du recel en droit congolais? L'on punit l'infraction du recel
en droit congolais, mieux, au maximum, c'est à 5 années d'emprisonnement. Donc, vous êtes receleur, vous qui me suivez, vous risquez de faire 5 ans d'emprisonnement. Vous risquez de faire 1 année. Vous risquez de faire quelques mois. Vous risquez de faire 2 ans d'emprisonnement. Pourquoi? Pour avoir commis le recel. Et puis, vous devez rendre l'objet recelé. D'où prenez la décision d'abandonner ces choses. Mais comment est-ce que ces choses peuvent finir? Comment est-ce que l'on peut mettre fin au vol, à l'escroquerie, à l'abus de confiance et aux autres infractions qui donnent lieu à l'infraction du recel? Suivez-moi, très chers téléspectateurs. Pour réduire cette infraction, l'on peut juste supprimer le marché pirate. Si l'on supprime le marché pirate, parce que c'est le receleur qui fait le voleur, rassurez-vous, très chers téléspectateurs, ça va nous aider à réduire cette infraction. Et là, c'est l'État avec ses services qui doivent faire ce travail. D'autre part, nous, la population congolaise, vous qui me suivez, si vous prenez la décision de ne plus acheter de choses dans des marchés pirates ou de ne plus les acheter entre les mains de personnes interposées, rassurez-vous, très chers téléspectateurs, que vous allez aussi, en ce qui vous concerne, réduire à votre niveau les taux de cette infraction du recel. Batata, ba maman bandeko. Omokolo mwa lelo, tozo lobela, infraction moko, ezo simba ba imbo ka ebele. Kombo nango, recel. Na bomoku se recel ezanini. Ezali, ko somba eloko euti na moibi, eloko baibi, ko bomba nanda kuna yo. Et le coup, il y a des gens qui ont été en train de se faire 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 poka kosomba ke loko oyo e uti na moyibi keba kusala mbeba wana te eza mabe mabe pe koleka kasi bambala mususu somba ke loko oyebi te te uti na bomoyibi bambolombolo batio maboko topela police na tango wana esengeli otali sabango ke loko na kamati tope na sombi e uti na moyibi te nga na yebi te te uti na moyibi na sombi yango malamu, bango pe bako yebisa yo, esko sombi eloko oyo, bisika bate kaka yango, wapi mokanda ba pesa ki otope fakture, o izo tali sa ete, eloko yoyo osombi yango na banzela malamu. Biso bandeko balandi, toko kipe ko sala ete, infraction oyo ya resel, mingi esale makate, na lolenge kani, esengeni na biso, to somba gabiloko, nabate ki ya balabala te. Moto mosusu, auti ko iba, aeko teke la yo chenet na balabala, yo sombi. Ateke li yo telefon na balabala, yo sombi. Bongo soki telefon nangu zayaki konekte na GPS. Mokolo telefon pa koye ba bisiko zali, ba ye ba kangiyo, ba tiyo na boloko, ozong si telefon, obebi si mosolo na yo. Ukoki yo ko somba biloko, na bisika ba somba rango. E yinko babisika bate kaka, bako upesa yomwa mokanda, ilakisi yete, usombi eloko wana. To somba na bomo kebi, ndeko sala ete, infraction oyo, ekwe labiso, ikolote.
Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'était un plaisir pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission, Mon droit et mon devoir, que j'ai eu l'honneur de présenter. Aujourd'hui, nous venons de parler de l'infraction du recel en droit congolais. Certes, vous êtes restés à votre soif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Envoyez toutes vos questions via les numéros qui est affiché dans le bas de vos écrans. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Ciao!